وما ننساوش اللي بنيسي حبوش وليد البلاد كيما حب يكون الحال ولا عندنا اختيار بداو في حبوش صحيح. C'est une journée qui est favorable déjà pour nous et aussi il ne fallait pas qu'on se loupe. D'autant plus, alhamdulillah, on a repris un petit peu confiance. Ce matin, je vais à la Tour des Halles. Les joueurs sont battus malgré qu'on ait joué pratiquement tout le match à 10. En termes de Sahab, je les félicite pour le rendement héroïque. Ce n'était pas évident à la Tour des Halles. Malgré qu'il mais c'est l'équipe Ali qui est un petit peu les toujours affecté un petit peu sur le plan psychologique quand les matchs à Dunn se mettent là et à chaque fois on se fait remonter parfois même se met des buts qui a coulé à l'enfour il y a un grand match au bout de ce bout c'est un match bien assez c'est une défaite fait qu'il y a même l'équipe Ali vous êtes sur le plan psychologique elle est un petit peu faible mais alhamdoulilah avec l'Ali on va voir ça avec le rendement selon on a vu une équipe Ali qui s'est donné à fond sur tous les plans on avait l'ami qui commence selon tout le monde défendait, surtout Annick qui a joué, c'est que sur le plan défensif, ils étaient présents, tout le monde a contribué. Est-ce que les chemins, je sais qu'on a rappelé sorti d'IF, un quart d'heure après le match? Ah, mais je sais, mais on savait qu'on allait avoir des difficultés. C'est une équipe qui a mis à l'extérieur. On a vu essayer. Ils ont poussé. Malgré les concernants, des occasions. Ils ont peut-être eu le monopole du ballon en deuxième temps. Mais sinon, ils ne nous ont pas créé. On n'a pas eu de danger. On n'a pas ressenti le danger. Mais l'essentiel, c'est qu'au bout, l'équipe a gagné la victoire. En premier temps, il y avait deux pénalties qui l'auraient pu siffler. Surtout, les pénalties, je peux ne pas en parler, mais surtout la sortie de Diff, un équipe qui n'était pas vraiment de se mettre à sortir, ça nous a un petit peu pénalisé. Ça va être un autre match à gagner. Donc, la motivation, ce n'est pas ça qui va manquer. On espère inchallah qu'on va récupérer Yahya Chérif. Ça sera une autre force de frappe de l'équipe. Mais sinon, le travail se fait bien, tout le monde est motivé. Une confiance qui est reprise. Et ça, c'est de bon augure pour l'avenir. La relation aussi entre les joueurs et les supporters, à la fin du match, les joueurs ont jubilé avec les supporters. Ah, c'est comme ça. Ils se mettent en ménage encore une fois pour soutenir l'équipe. Ah, comme ça. Il faudrait qu'ils fassent dans tous les matchs, surtout dans le moment difficile. C'est là où l'équipe a vraiment besoin de ses supporters.